Des patates douces, une grosse patate douce ainsi que des pommes de terre. Je vais les farcir avec cette base là, donc j'ai mis du thon. Attention les filles, prenez du thon de bonne qualité parce que en général ils mettent n'importe quoi dedans. Cornichons, des graines, ici noix de cajou, graines de courge, etc. Moutarde, un pot de fromage frais. Et des épices, moi j'ai mis sel et poivre. Et pour accompagner ça, je vais faire du riz gluant à la mangue. C'est un dessert qui est super connu en Asie. Vu que je n'ai pas de mangue, je vais faire avec un petit kaki. Je pense que ça va être super bon. Donc voilà, pour le moment j'ai lavé mon riz, je suis en train de le faire cuire. Je vais mettre dedans du sirop d'agave, ainsi qu'une demi-conserve de lait de coco. On va goûter ce petit dessert ensemble. Par contre, ma patate douce, elle lâche une odeur tellement sucrée. Ça me rappelle les odeurs de patate douce qu'on sentait au Japon, dans les convenience stores. Oh, c'est un câlin. C'est un dessert câlin. Excellent. Succulent. J'ai mis ça très rapidement, je trouvais pas mon voile, celui que je mettais tout le temps. Bref, petit dîner rien qu'entre vous et moi. Ah, je me suis fait une petite pizza. Aujourd'hui, je voulais quelque chose de plus crémeux. Voilà, donc j'ai fait une pizza. Donc saumon, parmesan et poireau avec de la crème. Comment vous dire que c'est trop bon, c'est délicieux. Et alors le parmesan, il fond littéralement dans la bouche, c'est trop bon. Bismillah. Trop bon, délicieux. Ce soir aussi, il n'est pas là. Il est parti chez ses parents. C'est Girl Night. Entre... J'allais dire entre vous et moi. Je pense tellement à YouTube des fois que je me dis que vous êtes avec moi alors que pas du tout. Demain, je travaille sur site. Je préfère rester à la maison en télétravail. Je maintiens ma maison propre. Je fais mes petits repas équilibrés, sains et tout. Et quand je suis sur site... Je dois faire à manger, etc. Donc c'est un peu plus fatigant. Petit repas tranquillou devant un film cette fois-ci parce qu'on a fini Penthouse. Enfin, on a fini Penthouse. J'en pouvais plus de ne plus vivre et de vivre que pour Penthouse.
Il a fait archi beau toute la semaine. Bon, lundi à mardi, parce qu'on est mercredi. Et là, je regarde à travers la fenêtre et il fait archi moche. On dirait que c'est l'apocalypse. Les gens s'envolent, les parapluies aussi. Aujourd'hui, mon acolyte du travail n'est pas là, donc je mange seule. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé seule. Et en même temps, je vais vous montrer ce que mon mari m'a fait comme tartine. Donc ici, nous avons une petite tartine saumon, épinard, tomate cerise et fromage frais. Si j'avais pas oublié mon badge, je serais sortie dehors parce qu'il fait super beau, super ensoleillé, mais on m'a donné un badge de secours. Et avec ce badge de secours, je peux pas sortir dehors parce qu'il me faut une autre carte, vous voyez. En général, à midi, je mange aussi avec une collègue qui travaille dans un autre endroit, qui est juriste pour la commune, mais elle est malade. Bon, j'ai fermé la porte parce que j'en avais marre qu'on me regarde de loin parler à mon téléphone. Déjà que c'est un peu awkward. Mais alors si on vous regarde du coin de l'œil.